Donc, je suis paré, ma flotte est là, et il y a la Savoie qui vient attaquer ma Sardaigne, donc il va falloir faire très très vite. Vas-y, saute-leur dessus, ils sont que 14 000. Voilà. Putain de bataille navale qui me bloque. Ouais, il devrait les wiper. Parfait, putain, si je pouvais débarquer sur la capitale là. Ah! Qu'est-ce que c'est? Le canal de Suez, c'est pas un peu tôt. Bon, peu importe. Voilà. Hop, on débarque. C'est quoi? Nouvelle cité. Ah, j'ai une crise économique. Oh putain. Pourquoi? Les gens m'aiment et l'économie va bien? Alors c'est quoi ça? Ah, des élections. Ouais, c'était le capitalisme. Bon là je devrais les wiper. Ah, mais c'est vrai qu'ils ont perdu. Ah, la Savoie a envoyé des renforts. Ouais, c'est moi qui les ai wipés. C'est moi qui ai la capitale. Oh putain, j'espère que. Ah, j'espère que l'IA va pas me faire le coup de. Tu as un plus gros scandale de guerre. Tu as détruit mes armées, tu occupes ma capitale, mais je vais faire la paix avec l'autre faction qui n'occupe qu'une province. Ça, je le vois venir gros comme une montagne. Pluralisme. Non, on n'est pas pour le pluralisme, nous. On est plutôt pour sécuraliser et à la limite moralisme. Bon, on va accélérer un peu. Voir ce que ça va donner. Alors ça, c'est les troupes qui mobilisent et qui se font détruire au fur et à mesure. Je crois que je suis pour la... Limited citizenship, moi. Ouais, c'est ça. Comme vous voyez, au passage, il y a toujours presque personne qui demande à étendre le droit de vote. Ma population est heureuse. Et c'est marrant, elle est de plus en plus alphabétisée, mais elle est quand même heureuse et contente de ne pas avoir de droit. Militancy est faible. Consensusness sous contrôle est très faible. Tout va bien. La monarchie est de beaux jours devant elle. Là, je crois que c'est la secularized que veut mon parti. Ouais, alors, bah je finance l'expédition, bien sûr. C'est quoi ça? Ah, ça va envoyer une armée par-dessus la mienne. Bon, l'instant de vérité. Ouais, c'est bien à ma couleur et donc on va faire la paix. C'est vous le noct, ça zis. On va quand même essayer. Alors à l'instant où les autres occupent, faut que je renvoie ma demande. Oh, est-ce que vous le voyez venir vous aussi? Enfin, vous le verrez en décalage, bien entendu, mais est-ce que vous voyez venir le coup de faire la paix avec la Savoie et pas avec moi? Ah putain, ça va me foutre la haine, parce que là on est vraiment dans les vieilles conneries des jeux Paradox. Ils en mettent du temps à capturer en plus. Bon, est-ce que j'ai autre chose à montrer? Les restes du monde. Bon, l'Empire ottoman n'a pas trop évolué. On a une Pologne.
Antimilitari, jingoïste. Tous les fermiers, les craftsmen, les laboureurs vont gagner 2 demi-tintis. Ah bah non, je veux pas trop. Là, on est sur un gros événement. 25% of all pops in New Alcitaire. The personnage gagne 4 mitency, become 10%. Voilà, c'est compliqué. On va prendre le dernier. Hein. Hop. Ah, ça me fait pas mal monter du coup le. Ok. Oui, donc on disait les restes du monde. Alors on a une Savoie qui s'est bien étendue, hein, qui essaye de former peu à peu l'Italie. Ouh, c'est quoi ça? RGO, Pop, Midancy, Conscience ou SNES? Non. Ah, en Asie, l'Empire King se porte bien. Je sais qu'on est censé dire Ching, mais moi je vois un Q. Ici, donc à changer la lettre. J'aurais peut-être pas dû prendre pluralisme. Le Japon, toujours pas unifié. Généralement, c'est. Ça suit approximativement les dates historiques, c'est vers 1870. Ouais, bon, il n'y a pas l'air d'y avoir grand-chose d'extraordinaire dans ces restes du monde. Ah, la France qui a déjà un pied là-bas. L'industrie, donc j'ai fait ça. Allez, hop. Organic chemistry. Et après, je repars sur les trucs culturels et du militaire. State capitalisme, bien entendu. Ah, et mon expansion agressive a bien. Enfin, mon infamie a bien redescendu. J'essaie d'être au taquet là. C'est quoi, Labor Union? Any province get labor union. Nanana, ça augmente mon efficacité, mais ça va augmenter la pop militancy, la local conscience SNES, et ça me fait du socialisme. Artisan, clerc, laboureur, craftsman. Waouh. Ah, je perds beaucoup de pop. Je perds beaucoup de pop, mais d'un autre côté, j'ai les ennuis. C'est les ennuis qui commencent. On va éviter les ennuis. Tac. Puis bon, ça n'a pas l'air de tant impacter que ça, que ma population. Alors. Annexe Sardinia. Oh yes! Oh, je retire tout ce que j'ai dit. Ce jeu est magnifique. Paradox est un grand studio et tout est bien codé comme il faut. Voilà. Dégage, bâtard. Il y a des usines ou des trucs comme ça ici? Alors, Sardinia Corsica. Voilà, ils ont quoi comme ressources? Du poisson et de l'or. Il y a une mine d'or. Donc la plupart de ces usines serviront pas à grand chose. Vas-y, on va faire des conserves de poisson plutôt. Ah bah ça, c'est le grand avantage du mob pop demande, c'est que la conserve, je crois que c'est un truc que j'avais déjà dit plusieurs fois, notamment dans les vidéos de guide et tout, mais dans le jeu de base, la conserve, c'est absurdement cher et rare. Bon alors, mais avec les dernières techs passées, ou la conquête de la Sicile, je sais pas trop, peut-être la conquête de Sicile et mine d'or va être pas mal, mais mon revenu a explosé. Non, pourtant c'est que 23, hein, la mine d'or. Non, ça doit être vraiment les techs industriels que j'ai passées, qui m'ont fait exploser dans mon revenu. Hein, donc rappelez-vous. Hilo, pressure et interchangeable parts, la première peut-être encore plus, ça démultiplie votre production et donc par rebond votre revenu. Donc voilà, hein. Hein, ceux qui étaient sceptiques sur ma stratégie d'aller reconquérir la France, est-ce que vous commencez à y croire, hein? Est-ce que vous voyez ma vision grandiose qui se précise? Le grand projet qui se dévoile. Voilà, regardez, je peux presque recruter 30 régiments. Mes revenus augmentent.
ça vient. Donc c'est quoi ça? News. Ah putain, c'est chiant parce qu'il y a toujours New Zealand là. Alors là, oui, parce que j'ai changé plein de... En fait, j'ai traqué dans les fichiers tous les endroits où il y avait New Zealand pour mettre nouvelle cité, nouvelle cité. Et. Mais ça marche pas pour ça, quoi. Ouh, je peux aller bouffer l'Oyo. Alors, est-ce que cette armée suffira? Parce qu'il faut que j'envoie l'armée principale. Les autos sont dans quel état? Potable. 18, il y a les régiments à recruter sur place. Peut-être laisser mon armée principale là-haut. Parce qu'en fait, c'est trop chiant de déplacer les troupes. Les bateaux prennent de l'attrition et tout. Et c'est trop long. Il faudrait que je... Bah tiens, j'ai de l'argent. Je vais expandre la naval base. Avant, je faisais pas trop. Je faisais pas trop de railroad. Je sais, mes capitalistes le faire. Et... Alors, l'effort, c'est pas moi qui ai fait. Je crois que c'est l'IA. J'ai pas mis d'effort ici. Et celui-là que j'ai lancé. Pour qu'elle soit au moins un fort niveau 1. Il est fort, donc c'est l'IA qui a lancé. Naval base, je me retenais de les faire un peu. Pour éviter. Ah. Pour éviter de trop dépenser, hein, parce que je stagnais, j'oscillais autour de 100 000 de thunes sans réussir à vraiment augmenter ma réserve. Parce que ça faisait le yo-yo. Mais là ça a l'air très bien. Alors j'ai déjà un ingénieur, j'ai l'artillerie. On va faire de la bonne infanterie, je pense, tout simplement. Faire du French Regular. Qui est 2 à 3 fois plus fort que l'infanterie. Et là. Peut-être de l'infanterie encore, cette armée manque. Ouais, la cavalerie, de canon, de l'ingénieur, donc. Faut de l'infanterie. Hop. Ça devrait le faire. Pour poursuivre mon expansion en Afrique. Au pire, je ramènerai l'autre aussi, hein. C'est vrai que c'est pas non plus. Est-ce qu'ils sont. Oui, ça devrait aller. C'est pas non plus une question vitale. Ah, j'aurais pu recruter. South Stanwood, hein, ça, les Italiens ne sont pas une culture acceptée. Peut-être faire du South Italian Hussar. Hop, on va voir s'ils se recrutent vite. Alors, hein. Impressionnante cette nouvelle cité. Ah merde, mes vassaux s'entretuent. Peut-être mettre le Pérou aussi dans ma sphère. J'étais en train de mettre le Chili actuellement. J'ose espérer que je leur apporterai la stabilité si je les mets tous les quatre dans ma sphère. Ok, bon là j'ai toujours mon armée de, on va dire, de sécurité. Alors il y a les focus nationaux. Bon, je vais repartir dans de la gestion, hein. On va pas s'embêter, mais là je suis en train de regarder au niveau des bureaucrates. C'est largement bon. Clergyman, je manque un peu.